L'une portera sur la journée internationale sur l'immigration. Nous savons que notre pays, beaucoup de nos jeunes quittent pour aller à l'aventure. Et aujourd'hui, ils se trouvent dans des difficultés. Et nous allons profiter de cette auguste assemblée pour vous parler des difficultés de nos jeunes qui aujourd'hui se trouvent dans des pays comme le Niger, comme l'Algérie, comme l'Angola, comme la Belgique, etc. Deuxième journée importante, c'est la célébration de la journée internationale sur le VIH, le SIDA. Vous savez, c'est une maladie, le SIDA c'est une maladie très dangereuse qui a causé des ravages en Afrique en général. Et dans notre pays aussi, il y a quelques personnes qui sont dans cette situation. Et il est important qu'un grand parti comme le nôtre, qui rassemble le peuple de Guinée, le parti des personnes qui s'intéressent au bien-être de la population, parle de cette maladie, parle des progrès qui ont été accomplis dans la lutte, parle des dispositions qui sont prises au niveau national pour pouvoir éradiquer cette maladie dans notre pays. Le troisième et dernier point sera le divers. Et à ce niveau, nous allons développer beaucoup d'autres points, nous allons tirer les leçons de notre année, l'année, cette année 2016. Qu'est-ce que nous avons pu réaliser? Qu'est-ce que nous comptons faire pour l'année 2017? Mais avant de développer ces différents points, nous allons passer la parole au suiveur pour qu'il nous déroule les communiqués qui sont ici. Je vous remercie.